Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, alias Misscom, révélatrice de personnalité d'entreprise, et je vous retrouve quotidiennement sur Facebook pour des émissions dédiées au marketing, à votre communication, tout ça, tout ça. Bienvenue aussi sur YouTube si vous me regardez en replay, puisque ces émissions sont aussi proposées sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser tout commentaire, que ce soit en live ou en replay. Simplement en mode lecture sur YouTube notamment, si vous avez toute question, parce que c'est grâce à elle que je construis toutes mes chroniques. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bonjour Christelle, bienvenue ici. Donc aujourd'hui, j'ai eu une nouvelle proposition. Je vous rappelle que le chronocom du jeudi, c'est l'optimisation visuelle d'un support de com ou d'un texte, donc un travail rédactionnel que vous me proposez en tant que fan ou en tant que visionneur simplement, c'est cadeau, c'est gratuit, donc il ne faut pas non plus vous retenir si vous avez une communication à optimiser. C'est grâce à votre participation que cette commu peut exister. Et des fois, y a des loupés parce que simplement je n'ai rien à montrer et c'est bien embêtant pour moi. Alors du coup, aujourd'hui, je vous propose pour une deuxième session, puisque ça a été les demandes la semaine dernière et cette semaine, eh bien, c'est de revoir une carte de visite. Alors aujourd'hui, justement, j'essaye de faire un petit peu différent. C'est comment créer une carte de visite quand en plus de ça, on a plusieurs publics. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors au début, je ne savais pas. Comme vous le savez peut-être, en tout cas je vous le redis, le chronocom, on m'envoie les choses, mais je le prends sur le vif juste avant de lancer le live. Donc je découvre vraiment ce qu'il en est juste en ouvrant les fichiers avant de lancer la caméra et la diffusion en direct. Donc du coup, j'ai pu noter que eh bien, un point qu'il faudra élucider justement vis-à-vis de cette carte de visite, c'est bien eh ben, comment gérer quand on a plusieurs audiences, plusieurs type de clientèle en fait. Voilà. Alors petit rappel quand même, je pense que c'est important, même si je l'ai déjà dit la semaine dernière et que je pense que je le redirai si toutefois on me redemande des optimisations de carte de visite. La carte de visite, c'est un support de communication comme n'importe quel autre. Ça veut dire qu'il va répondre à un objectif marketing, un objectif de communication, soit donc, pour rappel, les trois objectifs en marketing et communication sont les objectifs conatifs, de fait, non, cognitifs, pardon, le fait de faire connaître, affectif, le fait de faire. Alors, affectif, on se dit aimer, mais non, c'est pas seulement aimer, c'est simplement de créer de la connivence avec les gens, et effectivement, un objectif conatif qui est là de faire agir les gens. Donc, à quel objectif va répondre la carte de visite? Bien souvent, ça peut être la notoriété, mais si on y réfléchit réellement et de manière complètement objective, à quoi sert une carte de visite? Ça sert à ce que les gens vous appellent. Donc, on est bien dans un objectif conatif d'agissement. Le but, c'est qu'ils retrouvent facilement vos coordonnées pour pouvoir prendre contact avec vous. Et pourquoi je vous rappelle ça? Ben pour la simple et bonne raison que, en gardant ce dernier mot en tête, ce dernier objectif, le fait que les gens prennent contact avec vous, ça va vous donner justement l'essentiel de ce qu'il faut mettre sur votre carte. Alors souvent, il y a quand même, comme ce sera le cas aujourd'hui, un espèce de petit rappel sur ce que vous allez faire et ce que vous pouvez apporter aux gens, parce que, eh bien, si on se met en situation, on va effectivement avoir peut-être plusieurs cartes de visite, donc il est bon aussi de rappeler. De se rappeler au bon souvenir de la personne, sur qui on est, ce que l'on fait, voilà. Mais en tout cas, on va effectivement se retrouver dans une dynamique où l'objectif d'une carte de visite, c'est d'être contacté, et il ne faut pas non plus perdre de vue que on crée une carte de visite parce qu'on va en distribuer. Je ne suis pas convaincue que la plupart des gens font des cartes de visite parce qu'ils ont déjà déterminé qu'effectivement, ils vont avoir un mode de distribution. J'en fais même partie. La carte de visite, c'est un réflexe qu'on a comme ça. Mais finalement, est-ce que vous vous en servez réellement? Moi, j'ai vraiment envie de vous poser cette question avant même de créer une carte de visite. Qu'est-ce qui va véritablement vous permettre de vous en servir? Parce que si c'est créer une carte de visite pour qu'elle reste dans un tiroir, ça ne sert absolument à rien et vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Donc là aussi, soyez radin malin. Déterminez vos supports de communication en fonction des objectifs et de ce que vous allez réellement en faire par la suite. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Une carte de visite qui reste encore une fois dans le tiroir, c'est de l'argent perdu pour rien.
Christelle, dans mon cas par exemple, j'aurais deux cartes différentes. Oui, tout à fait, parce que tu t'adresses effectivement à deux cibles totalement différentes et pour des prestations qui plus est différentes. Donc là, c'est vraiment préconisé d'avoir deux cartes de visite différentes. Maintenant, est-ce que la première carte de visite que tu as faite était véritablement un choix justifié? Alors judicieux, pas dans le sens où on est bête de le faire, mais réfléchis stratégiquement, est-ce que vraiment, quand on rencontre personne, est-ce que c'est réellement utile de distribuer, enfin, d'avoir des cartes de visite? Moi, je ne suis pas convaincue. Je dis ça parce que Christelle est comme moi, on est sur du business, on a beaucoup en ligne, on rencontre les gens en ligne, et en fin de compte, on ne va pas physiquement rencontrer les gens. Par conséquent, quelle est l'utilité d'avoir des cartes de visite si on ne rencontre les gens que virtuellement? Aucune, donc c'est une dépense inutile. Encore une fois. Donc voilà un petit peu pour le petit speech. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de partager mon écran comme je le fais d'habitude pour découvrir donc la carte de visite de Séverine qui me l'a proposée. Donc on est sur Photoshop aujourd'hui. Ça vous permet aussi de découvrir un petit peu les coulisses d'une communicante graphiste. Mais effectivement, je vais vous montrer un petit peu. Et donc, je pense que quand elle verra ce live, elle verra que je vais tout déconstruire pour reconstruire. Christelle, non, je n'aurais pas dû en faire, car je ne l'ai distribué qu'une fois. Voilà, exactement. Donc, il faut toujours, toujours, toujours ramener une action de com, un objectif. Ça nous permet de savoir si c'est pertinent ou pas. Sur ce, je répondrai à tous les commentaires après. Je vous propose de partager mon écran de suite. Hop, je supprime les différentes choses et je partage l'écran. Hop là. Alors, je suis désolée, je prends juste un petit peu de temps pour virer les écrans de l'outil. Voilà. Donc, je me retrouve avec effectivement une carte comme ça et une comme ça. Donc, il y a plusieurs possibilités. Comme c'est le cas de Christelle, vous avez deux audiences différentes, vous avez des services différents. Alors surtout, mon conseil, faites deux cartes. Faites deux cartes ou n'en faites qu'une, Christelle, puisque la deuxième ne sert pas grand-chose. Mais on va faire deux cartes pour séparer véritablement les choses. Là, Séverine c'est un petit peu différent puisqu'elle s'adresse à la fois aux particuliers et aux entrepreneurs. Et effectivement, elle a quand même à la fois donc accompagnement personnalisé, formation, conférence, coaching individuel, collectif et design de vie. Là, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont complètement différentes, qui sont pas forcément bien hiérarchisé en termes d'information, on le comprendra plus tard ensemble. Mais voilà, pour moi, effectivement, il y a trop de choses, on veut trop mélanger les cibles, ce qui fait que ça ne convient pas. Ça ne convient pas en l'état. Faire deux cartes de visite, je pense pas non plus. Vous venez me dire, ah bon? Eh bien oui. Faire deux cartes de visite, c'est pas forcément pertinent. Je vous explique pourquoi. Parce que, eh bien, un professionnel, d'accord? Donc un entrepreneur, par exemple, ou quelqu'un en formation, donc peut-être auprès des professionnels ou même des conférences, on va être avec les gens d'un point de vue professionnel. Donc on va s'adresser à eux personnellement. Donc pour les entrepreneurs, on va pouvoir avoir de l'accompagnement personnalisé, de la formation, effectivement, on va avoir les mêmes, mais en fin de compte, si on lit ça et ça, je ne suis pas sûre que par exemple la formation ce soit bien pour les particuliers. Forcément, si on forme des gens à la sophrologie, ça va être pour d'autres entrepreneurs, peut-être d'autres sophrologues. Encore une fois, Séverine n'est pas là, je ne suis pas totalement en lien avec tout ça, donc je ne peux pas dire des choses que je ne connais pas. Cela dit, tout ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, à mettre tout ça, on a trop de choses différentes. Donc moi, la première chose, c'est que je vais restreindre les choses. Là, c'est pareil. Alors, souvent, on se dit que avoir un recto magnifique et vide, on va dire, avec simplement le logo, ça va être pertinent, mais pas forcément, selon moi, puisqu'on va chercher à aller à l'essentiel. Encore une fois, l'objectif d'une carte de visite, c'est que la personne trouve rapidement vos coordonnées.
Si elle doit manipuler les cartes de visite, c'est moins pertinent. Là, on rentre dans le neuromarketing. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit peu mon dada. Et là, moi, c'est pareil. Quand on fait de la distribution de cartes de visite, donc ça veut dire qu'on a une dynamique de networking. Le networking ou la recommandation va avec une carte, effectivement. Et ces cartes-là, on en a un certain paquet, on les met toutes ensemble. Et puis on les laisse dans un tiroir. Le jour où on veut effectivement les avoir, on va les ressortir. Et puis ben finalement, on va prendre la première qui nous saute aux yeux et qui répond aux besoins que l'on souhaite combler. Si on n'a que des rectos avec des faces blanches, finalement, il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a aucun signe distinctif. Par contre, si on a un recto verso et que la personne, voilà, je vous donne quelque chose de complètement onirique, mais si tout se retourne face cachée, et bien celle qui sera vue, c'est celle qui sera faite recto verso. Donc là, on a déjà un plus. Mais il faut aller au-delà de ça. Et c'est-à-dire que pour moi, il faut trouver les coordonnées sur les deux faces. Parce qu'on est sûr de l'efficacité. Et la carte de visite, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie que les gens jettent, mais bien d'avoir de l'information tout de suite, au premier abord, et qu'il nous appelle directement et qu'on lui facilite les choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier. On est en direct, hein, encore une fois, je vous le rappelle. Comme ça, vous découvrez un peu Photoshop aussi. Bon, je vais faire une carte de visite. Voilà, moi, je vais la mettre en... Je vais effectivement la mettre dans ce sens-là. Parce que selon moi, on est déjà bien plus pertinent. Voilà. Alors, par contre, il y a mon fond. On va tenter de le garder. Non, c'était pas le bon. C'était lui. Voilà. Voilà, donc je vais simplement récupérer les infos. Hein. Donc ça, moi, ça me pose aucun problème. Je vais le garder aussi. Oh. Les aléas du direct. Désolée. Voilà. On va pouvoir le mettre. Voilà. Donc je reviens sur ma carte. On avait effectivement accompagnement personnalisé. Voilà. Donc comme je vous disais, il y avait un manque au niveau de la hiérarchie des informations, que ce soit ici ou même en dessous. Pourquoi? Parce que il faut toujours guider celui qui lit votre support. Et pour le guider, effectivement, on va pouvoir le noter. Là, on a tout au même niveau. Ici, quasiment aussi, on a la même taille, on a un certain nombre de choses. Pour moi, encore une fois, l'objectif d'une carte de visite, c'est le contact. Donc, par exemple, voilà, ici, on voit beaucoup plus rcssofro.com et lattssr sofro, puisqu'il est en couleur, alors que finalement, l'info principale, c'est le numéro de téléphone et le mail. Donc, pour moi, il y a un petit bug sur la hiérarchie. Sans parler du fait qu'effectivement, pour moi, celui-ci ne va pas à cet endroit-là et je vous expliquerai pourquoi. Donc revenons-en.
à nos moutons. Je vais donc prendre ceci, venir ici. Est-ce que je vais pouvoir changer ou pas? Oui. Donc, alors, pour reprendre ces informations-là, accompagnement personnalisé, c'est effectivement un accompagnement. Ensuite, c'est le qu'est-ce que c'est? Là, c'est à qui on s'adresse. Et puis finalement, on revient à nouveau à qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce qu'on peut trouver? Et puis le design de vie, en fin de compte, c'est la promesse. Donc on a un petit peu toutes ces informations qui sont mélangées et qui ne sont pas forcément dans les meilleures, on va dire, dans les meilleures conditions, quelque part. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer. Non, je ne vais pas. Après, on est pour, enfin, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est simplement mon point de vue personnel et professionnel vis-à-vis de tout ça. Je vais vous dire ici, on va mettre pas un site. Je peux même le mettre un site. Je vais pouvoir le noter. Bon, ça me plaît pas forcément, il faudra regarder comment on peut effectivement trouver un truc un peu plus sexy. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il faut vraiment hiérarchiser l'information. Hop. Donc là, par exemple, on peut avoir le nom de la cible. Je ne suis pas convaincue que ce soit très pertinent de le rajouter. Encore une fois, c'est vraiment en fonction de sa cible. Là, moi, je ne connais pas l'univers de la sophrologie. Est-ce que les gens, véritablement, vont se sentir impliqués si on parle de particulier et de professionnel? Mais par contre, je pense, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le construirais, je pense quand même qu'on va pouvoir avoir un impact sur ce qu'on va pouvoir donner comme information. Donc, ok, on va mettre coaching individuel et collectif. On pourrait mettre différents sujets, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Gestion du stress, mieux vivre. J'en sais rien, hein. Là, c'est vraiment du... Et là aussi, histoire de modifier un petit peu les choses. Voilà. C'est là, mais j'ai pas envie de perdre trop de temps. Donc, on aura bien sûr une autre carte où on aura effectivement. D'autres informations, excusez-moi, le chat s'invite, vous savez, hein, c'est habituel. Bon, il n'a pas envie. C'est pas grave. Donc, on va mettre gestion du stress, et là, je récupère à nouveau ça, et je fais ça. Voilà.
Et donc là, pareil. Bon. Je mettrai juste. Là, on est bon. Alors pour le design de vie, je ne suis pas convaincue que ça s'adresse aussi aux particuliers. Encore une fois, on aura des critères différents. Donc peut-être que ça n'a pas lieu d'être ici, justement. Mais on va effectivement orienter les choses pour les indépendants et les entrepreneurs. Voilà, on a effectivement les bonnes infos. Peut-être justement pour identifier la cible, comme on l'a fait ici, eh bien ça va être de venir ajouter une petite des sujets qui vont être vraiment pour les indépendants et les entrepreneurs, qui vont être identifiés. Je ne sais pas moi, solitude de l'entrepreneur. Stress. Mettons encore une fois, je connais pas chacun son métier. Séverine, tu sauras parfaitement mettre ce qu'il faut pour toi. Ce sera beaucoup mieux, je pense. Et donc ensuite, on avait effectivement tout ça que je vais gérer différemment. Alors pour moi, ce picto-là, à quoi il sert, j'en sais rien. Encore une fois, en communication, on va vraiment garder le minimum de choses, pardon, mais parce que chaque chose a un rôle bien précis. Et pour moi, le picto, il n'a rien de d'intéressant. Pourquoi il est là? Ça, c'est la question. Alors. On annonce ceci. Et comme je le disais, pour moi, il y a une info qui ne va pas. Ah, le fait de ne pas avoir la typo, ça fait beaucoup de dégâts. Voilà, là pareil, on va mettre 7. Et vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, je l'espère. C'est simplement parce que, en fait, SR Sofro avec le A, c'est l'identification des réseaux sociaux. Sauf que si on le colle à l'adresse web, bah, le commun des mortels ne comprend pas qu'en fait c'est associé. Ce qui est quand même un petit peu embêtant. Donc moi, je vous conseille vivement, effectivement, de mettre les choses ensemble. Donc, ce sera comme ça. Après, bah, l'adresse, je suppose quand même qu'elle est pertinente, mais dans quelles conditions? Est-ce que, Séverine, tu ne reçois que chez toi? Est-ce que c'est indispensable? Personnellement, je ne reçois pas enfin, chez moi, à mon adresse. Donc, du coup, je ne l'ai pas mise dans mes cartes. Si vous n'avez pas d'intérêt de contact par le biais d'une adresse postale, ne la mettez pas. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Parce que, encore une fois, la carte de visite, c'est surtout la prise de contact et non le reste. Donc, je vous disais également que pour moi, il y a un tout petit. Il veut pas. On va tout faire à la main, c'est pas grave. Il y a pour moi quelque chose qui ne va pas assez que là, c'est le mail.
qui est le plus important. Donc c'est lui que je mets en rose, en bleu et en gras. Et à l'inverse, celui-ci. Ils ont avec la mise à jour. J'ai encore des trucs comme ça. Bon, c'est pas grave. On va y arriver quand même. Hop. Bon, là, on a quand même un problème de taille, donc on va le réduire. Voilà, il faut essayer, du coup, de voir ce qui est le mieux. Alors là, pareil pour moi, malgré tout, l'adresse, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est vraiment très important, dans le sens où ça va être un rappel, mais les gens qui ont rendez-vous ne prennent pas la carte de visite pour le trajet, par exemple. Donc, quelle est l'utilité de l'avoir ici, hormis de montrer sa localité, peut-être. Mais il faut vraiment mettre en valeur, à mon sens. Hop. Les informations les plus importantes, qui sont donc le numéro de téléphone et l'adresse mail. Voilà. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis pas fan de ce bloc-là. J'aurais plutôt tendance à les mettre sur une ligne, probablement. Et puis, bah, pour moi, ça, c'est pareil. Voilà. Après, il y a aussi un ordre sur les informations. Donc, c'est LinkedIn en premier. YouTube ensuite. Bon, je pense à Pinterest d'abord aussi, parce que le Twitter c'est plus compliqué. Après, on a déjà parlé des réseaux sociaux. Il y a un article en prévision également sur le sujet pour vous pousser à bien y réfléchir, parce que ça sert à rien d'être de partout. Voilà, et même Instagram. Oh, verrouillé, pas vraiment le problème. Hop, je hiérarchise effectivement les réseaux sociaux pour que on les retrouve bien ensemble. Mais avec pourquoi? Eh bien, on va le faire ensemble. LinkedIn, c'est la valeur sûre du professionnel, donc qui va valider vos compétences, votre parcours, vos références. Donc LinkedIn doit toujours être en premier. Là, YouTube. Je le sais parce que je la suis. Séverine fait des vidéos justement à propos de la sophrologie et aide les gens en vidéo, un peu comme moi sur Miscom. Donc si moi je refais mes cartes de visite orientées Miscom, je mettrai aussi la chaîne YouTube parce qu'elle a beaucoup plus de poids et de valeur que la page Facebook. Pinterest, que ce soit au niveau des entrepreneurs ou du personnel, ça permet de mêler les deux aussi. Ça a une très forte valeur ajoutée parce que le réseau vraiment est en très fort développement qualitatif, c'est-à-dire que les gens se rendent compte que on fait des recherches à part entière dessus, donc ça a beaucoup plus de poids. Twitter, c'est vraiment de l'info flash. On n'est pas dans. Alors, la plupart des marques s'en servent justement sur de la gestion de relations clients. Maintenant, il faut voir ce qu'il en est, mais pour moi, on n'est pas non plus sur quelque chose de très pertinent. Donc, on va plutôt le mettre à la fin. Facebook, c'est un réseau qui est normalement privé. On l'a dans la sphère privée. À partir de là, n'utiliser que Facebook comme mise en valeur de réseaux sociaux, c'est pas forcément pertinent parce qu'on va perdre en qualité et en image. C'est complètement inconscient, mais c'est comme ça. À mettre Facebook. Et pareil, Instagram, c'est vraiment le partage de photos, de vie, c'est passé dans l'inconscient collectif. Hein. Et donc du coup, bah, on pourrait se demander qu'est-ce qu'on pourrait trouver sur de la sophrologie pour cet état de...
enfin sur ce réseau-là. Pas forcément pertinent. Encore une fois, il faut toujours étudier la pertinence des réseaux sociaux et pas être partout, ça ne sert à rien. Mais voilà, moi du coup, je les mettrai plutôt à la fin avec, parce que j'aime bien quand il n'y a pas de symétrie aussi. Voilà. Pourquoi je mets ça? Parce que ben, l'identifiant SR Sofro, ça va être l'identifiant pour tous les réseaux. On va le mettre pour tous les réseaux qui puissent être effectivement sur le. Sur ça, c'est-à-dire que sur LinkedIn, on va taper cet identifiant, sur YouTube aussi, sur Pinterest, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, on va la retrouver partout. Mais au moins, on sait que c'est associé à tous les réseaux, ce qui est quand même le plus important. Hop, moi j'ai bien envie de faire comme ça. Et comme je vous le disais, c'est pas une priorité pour moi, l'adresse. Surtout qu'on est sur une typographie qui est relativement propre et qui peut arriver à se voir même dans des toutes petites tailles. Donc il ne faut pas hésiter non plus justement à le faire. Donc là, j'ai un recto. Ah oui, c'est ça que je voulais faire aussi. C'est que là, ça m'a pas tout pris. Je voulais tout prendre. Voilà. Je pense que là c'est bon. Oui. Donc on se retrouve ici avec quelque chose qui est quand même beaucoup plus lisible, qui est hiérarchisé. C'est quelque chose de très important. C'est alors l'enseigne, ok. Selon le degré qu'on a envie de le mettre en valeur, on va le mettre en haut, en bas, sur les côtés, peu importe. Mais on hiérarchise encore une fois. Donc pour Séverine, je sais que son identité est quelque chose de très très important et les gens la reconnaissent notamment avec l'esperluette qui est ici. Donc on va le mettre véritablement en premier parce que c'est ce qui visuellement va permettre aux gens de se rappeler de qui c'est. Donc ensuite on a bien Séverine, c'est important d'avoir l'identification de la personne et son rôle. Donc sophrologue, c'est très bien. Formation, conférence, coaching individuel. Là encore, on va pouvoir noter quelques thématiques. Et même, je pense que personnellement, je diminuerai un petit peu. Voilà. Parce que, en fin de compte, le comment on y arrive, on n'est pas forcément très. Qu'on passe par des formations, de la conférence ou du coaching, qu'ils soient individuels ou collectifs, finalement, c'est la promesse qui va nous importer. Donc, c'est le traitement, bah, de tel sujet. Qui sont pas forcément ceux-là, encore une fois, c'est moi qui les ai mis et absolument pas Séverine. Donc, mais voilà, moi je miserai surtout sur qu'est-ce que j'apporte et bien évidemment, on garde au centre le contact puisque c'est la seule information que l'on recherche sur la carte de visite. Et voilà, et on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus lisible, beaucoup plus. Alors, ça peut paraître plus froid. Je suis d'accord. Mais en même temps, encore une fois, la carte de visite, elle doit surtout être efficace pour avoir les informations les plus importantes pour les bonnes personnes. Et donc, par rapport aux particuliers, on va effectivement se retrouver avec la même chose. Donc là, je pourrais reprendre tout ça. Excusez-moi, j'ai buggé. Voilà. Donc ça, on va plutôt le mettre en haut, peut-être, à la place des. De ça, mais c'est vraiment au goût de chacun. Hein. Il arrive aussi où la notion de goût personnel est indéniable. Donc, voilà, je pense, peut-être quelque chose comme ça, où on reste propre, sobre. Ça peut paraître guindé et carré, mais je vous assure que l'objectif, c'est vraiment l'efficacité. Donc à partir de là, on va aller sur quelque chose d'efficace, effectivement.
Et pour moi, là, il y a trop d'infos. Il faut en éliminer. C'est-à-dire que je ne garde que gestion du stress et mieux vivre. Non. Donc, accompagnement personnalisé, design de vie. Voilà. Et avec ce que l'on fait, bien évidemment, en priorité. Voilà. Et donc, on a la possibilité soit de faire deux cartes, mais moi, là, et c'est là où je voulais, sur ça que je voulais terminer, c'est qu'on a deux cartes. Enfin, là, on a deux visuels. OK. Mais quelle est la pertinence de faire deux cartes? Eh bien, deux cartes, c'est comme toi, Christelle, par exemple, qui a deux cibles totalement différentes. L'onglerie, enfin, tu pourrais faire de l'onglerie à des clientes dans le web. Ça, il n'y a pas de souci. Mais souvent, ton business, comme il est en ligne, tu n'es pas au contact des gens. Et l'inverse est compliqué aussi. En même temps, par rapport à la crédibilité, alors, je ne dis pas que tu n'es pas compétente du tout, mais c'est encore une fois, c'est l'inconscient collectif, c'est la société qui veut ça. Quelqu'un qui fait les ongles, on ne va pas forcément l'associer à quelqu'un qui va faire du développement web. Donc, dans l'inconscient collectif, le fait de mêler les deux, ce ne sera pas forcément pertinent parce que tu risques de perdre en crédibilité, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, tu vas avoir deux cartes de visite. Là, moi, ce qui m'inspire, c'est qu'on fait, on fait les deux cartes, là, mais elles sont recto-verso, c'est-à-dire que ça, c'est le recto. Et l'autre, c'est le verso. Comme ça, on a quelque chose qui est sensiblement identique. Mais et pourquoi je le dis? Eh bien, parce que simplement, quelqu'un, un entrepreneur qui va vouloir justement travailler sur la gestion du stress, la gestion du temps, par exemple, peut finalement être intéressé pour lui-même, pour sa famille, mais je pensais surtout pour lui-même, par d'autres choses sur comment mieux dormir d'un point de vue personnel. Donc on va se retrouver avec quelqu'un qui va être touché par les deux, enfin, par les deux centres d'intérêt. Donc l'intérêt justement d'avoir une carte qui joue double jeu sur chacune de ses faces, c'est que finalement, parce que la personne va manipuler la carte, ne serait-ce que parce qu'elle recherche justement la prise de contact, ça va lui rappeler qu'effectivement il y a de l'accompagnement personnel pour la vie privée et que ça peut toujours l'intéresser. Donc c'est en ça que ça peut être très très pertinent de jouer sur les recto-verso de manière eh bien, à pouvoir diffuser ces différentes offres aux mêmes personnes, même si c'est sur des plans totalement différents. C'est pour ça que moi, je le ferais plus comme ça. Et puis, bah, je préfère véritablement les formats verticaux, en format portrait, pour la simple et bonne raison que quand on a pas mal d'infos comme ici, si on est à l'horizontale, rien ne rentre, ou du moins, on est obligé de mettre sous des espèces de carrés, et je trouve que c'est beaucoup moins lisible que ça. Ah, bah tiens, il y a Cyrine Carrie qui arrive. Hop, je vais du coup reprendre les commentaires. Ce sera plus simple. Donc bonjour Sophie, hello Marilyn, bonjour Vanessa, et bonjour Séverine. J'étais en rendez-vous, je reprendrai depuis le début. Oui, mais c'est une trop bonne idée. Eh bien écoute, tant mieux. Donc voilà mon ressenti et comment moi je ferais les choses vis-à-vis de ça. On va sortir justement des écrans, mais c'est dans l'objectif de toujours être pertinent. Et je le rappelle, et c'est quelque chose qui est très très important pour moi, je vous propose de revenir sur ma tête et plus sur l'écran, c'est véritablement de penser, est-ce que la carte de visite est réellement un support de communication qui va vous apporter quelque chose? Parce que, ben, encore une fois, comme tous les supports, si c'est pour qu'il reste dans le tiroir, ça ne sert absolument à rien et c'est de l'argent foutu en l'air pour rien. Voilà, donc, bah écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu guidé sur comment vous pourriez faire les choses pour vous. N'hésitez pas non plus, alors je prêche un peu pour ma paroisse, faut-il, à faire appel à des professionnels, parce que la carte de visite, c'est aussi un moyen indirect de faire votre connaissance, et si votre communication, elle n'est pas propre, professionnelle, et qu'elle ne reflète pas vos valeurs, ben vous risquez de vous tirer une balle dans le pied, parce que une mauvaise impression tue un business, alors que ne pas communiquer ne tue pas le business, puisqu'il n'est pas visible. Mais être visible doit être fait de façon qualitative, sinon ça peut complètement vous plomber. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, en replay, sur YouTube, peu importe, je suis là pour y répondre, je suis là pour créer
grâce à vos questions, mes chroniques quotidiennes, donc j'ai besoin de vous. Si vous voulez que j'optimise un visuel, n'hésitez pas à me contacter également, puisque c'est l'objectif de cette chronique. Et puis, bah, si vous aimez me soutenir, je vous en prie, partagez le live, invitez vos amis, surtout qui pourraient être intéressés. Parce que l'idée, le partage, on s'en fout, si ça touche pas les bonnes personnes, c'est pas intéressant. Tout comme la carte de visite. Par contre, inviter des gens à découvrir MISCOM pour effectivement des informations dont ils ont besoin, là c'est pertinent. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée, et je reste disponible en commentaire bien évidemment pour tous ceux qui regarderaient en replay. Bye bye!